Amis, bonsoir. Voilà, je vous avais promis d'autres petites vidéos. Alors, je viens vers vous ce soir. J'avais envie de partager avec vous un petit moment de sérénité. Pourquoi? Parce que je crois qu'on en a bien besoin et que par rapport à tout ce qui se véhicule en ce moment, eh bien, nos esprits sont vraiment en effervescence et ça a besoin un petit peu d'être. J'ai l'impression qu'il faut être un peu calmé. Calmer le jeu, ça ferait du bien. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que, vous le savez, on est en pleine crise, ça, tout le monde le sait. Les médias continuent de nous parler toute la journée et de nous rabâcher les oreilles avec ce qui se passe par rapport au corona. Et tout ça véhicule un climat d'angoisse, un climat d'insécurité, un climat de peur. Et dans ce que j'entends, dans les retours que j'ai vis-à-vis des entretiens que j'ai avec les uns et les autres, j'entends qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup, beaucoup de peur justement par rapport à ce qui se vit et par rapport à l'après, par rapport à l'après-confinement. D'aucuns me disent que ne pas savoir ce qui va se passer après, ça les angoisse encore plus. Parce que beaucoup ont eu des problèmes dans leur entreprise, ont été obligés d'arrêter certaines activités. D'autres ne savent pas, sont au chômage aujourd'hui, ne savent pas vers quoi ils vont aller. D'autres savent très bien que la société telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien, elle est en pleine effervescence et il peut y avoir des réactions plus ou moins violentes, surtout dans les villes. Et d'ailleurs, j'ai de la famille à Paris et des amis aussi. Et certains ont vraiment peur de ce qui peut se passer après, de cette espèce de ruée vers cette société de consommation qui a été tellement contenue pendant un temps donné, qui maintenant peut exploser et du jour au lendemain, les gens vont se précipiter et ça peut générer un climat d'angoisse, de précipitation à l'achat, de frénésie dans certaines choses, à l'achat ou au manque de moyens qui, quelque part, peut faire que ça explose d'une toute autre façon. Et le climat de peur et de tension, il est évident, il existe. Donc, par rapport à ça, on a le choix de, en tant qu'être humain, on a le libre arbitre, hein, on a la chance d'avoir un libre arbitre. Eh bien, on a le choix de faire valoir notre libre arbitre justement en ne rentrant pas dans ce qui arrive, en ne rentrant pas dans ces émotions perturbatrices qui viennent à nous constamment. Comment? Eh bien, tout simplement en étant centré, en prenant contact avec notre intégrité profonde, avec cette partie de nous qui, elle, est toujours reliée. Reliée à qui? À quoi? À la source de toute vie, ce que j'appellerais moi la source de toute vie. On est des êtres humains par l'amour de la création. Si on s'est incarné aujourd'hui, c'est qu'on a à évoluer aussi sur ce plan terrestre par rapport à nos propres croissances, notre propre conscience et le chemin d'évolution de notre âme. Et plus on va augmenter notre taux vibratoire, plus on va méditer, être dans le calme, être dans le silence, ne pas rentrer dans toutes les perturbations qui viennent à nous, plus effectivement on va élever ce taux vibratoire qui est le nôtre. Alors, en calmant les pensées, en calmant le mental, qui est bien souvent perturbateur, hein, et ça tout le monde le sait, mental perturbateur, c'est très connu. Donc, en essayant de calmer ce mental, en s'intériorisant davantage. Et en ayant plus de discernement par rapport à tout ce qui arrive, et en sachant que en ayant le libre arbitre, on a le choix de rentrer dans la masse ou pas. On a le choix de se laisser manipuler ou pas. On a le choix de prendre des décisions ou pas. Donc, ça nous appartient. Il nous appartient de nous positionner par rapport à qui nous sommes vraiment et à prendre notre propre pouvoir vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre intégrité profonde. Alors, j'avais envie de vous inviter à une petite méditation. Alors, je sais qu'il y en a qui pratiquent déjà depuis longtemps et puis d'autres m'ont dit, ah oui, mais c'est bien quand tu nous guides.
Alors, je ne vais pas vous guider sur une méditation très très longue, mais simplement vous donner quelques petits outils pour que vous puissiez chez vous le faire quand vous en avez envie, quand vous en sentez le besoin. Déjà, la première règle, c'est la respiration. Quand vous êtes confronté à une situation de stress, où vous sentez que ça commence à monter à l'intérieur, inspire, expire, on relâche. À l'inspire, le ventre se gonfle, à l'expire, on relâche et on rentre tranquillement, paisiblement à l'intérieur de soi. Alors, si ça vous gonfle vraiment, et on lâche. Une fois, deux fois, trois fois, tant que vous voulez, tant que vous voulez. Le principal, c'est que vous arriviez à sentir qu'à un moment donné, vous allez vous poser et vous allez vous calmer. Vous allez avoir envie de vous asseoir dans un fauteuil, de vous poser sur une chaise. Votre corps aura même besoin, et ça on le sait, dans ce qui vient en ce moment, les énergies sont très fortes. On peut avoir besoin de se reposer, besoin de dormir. Si vous sentez que vous avez cette envie-là, et que pourtant ce n'est pas dans vos habitudes, eh bien, soyez juste attentif à ça et respectez ce rythme que vous ne connaissez peut-être pas et qui vient à vous, en vous invitant à plus de détente, de décontraction et même au sommeil. Pourquoi? Parce que quand on est dans un état de sommeil, on pose son esprit et d'autres choses viennent à nous. Il y a une très belle phrase d'Arnaud Desjardins, il y a quelques années, qui disait: il faut savoir être passivement actif, activement passif. Ah, vous méditerez là-dessus. Voilà, moi je vais vous inviter juste à vous positionner. Donc, à l'inspire, à l'expire, on va relâcher les tensions et vous allez voir qu'en fin de compte, c'est tout simple de pouvoir être dans le calme à l'intérieur de soi. Alors, vous allez vous installer confortablement, vous asseoir sur une chaise, sur un canapé, de façon à avoir conscience des points d'appui de votre corps au contact du sol. Si vous préférez le faire allongé, vous pouvez le faire allongé aussi. Je vais vous guider là-dedans, dans ces premiers points d'appui, et puis après, je vous laisserai dans votre voyage intérieur. Je vais vous laisser expérimenter. Donc, trouvez un endroit où vous pouvez vous installer calmement. Installez-vous confortablement. Je vais bouger aussi un petit peu. Mettez vos pieds au contact du sol, si vous êtes assis sur une chaise. Ou alors sur votre canapé, tout simplement. Pour ceux qui savent se mettre en lotus, mettez-vous en lotus. Pour ceux qui préfèrent s'allonger, allongez-vous. Dans un premier temps, vous allez laisser monter, inspire, expire. À l'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expire, on relâche. Essayez de gonfler le ventre et pas la poitrine. Inspire, on gonfle le ventre, on fait un gros ballon avec son ventre. Expire, on relâche, bouche légèrement entrouverte, de façon à pouvoir laisser passer le souffle. On recommence. Inspire, à l'inspire, je gonfle mon ventre. À l'expire, je relâche, bouche légèrement entrouverte. Vous le faites trois fois. Inspire, on gonfle, on gonfle, on gonfle encore, 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 encore. Expire, on relâche. Et on relâche autant qu'on a gonflé. Voilà, maintenant vous allez fermer vos yeux pour ceux qui peuvent. Et vous allez prendre conscience des points d'appui du corps qui sont au contact du sol. Point d'appui des pieds au contact du sol si vous êtes sur une chaise. Point d'appui des fessiers si vous êtes au sol. Sentez quels sont les points d'appui de votre corps posés au sol. Et vous laissez votre respiration s'installer à l'intérieur, comme si vous déposiez ces points d'appui encore plus profondément au contact du sol. Inspire, expire. Vous essayez d'avoir le dos droit et de prendre conscience de votre colonne vertébrale et de sa verticalité, de cet axe vertical qui vous relie dans les énergies terre et ciel.
Inspire, expire, on relâche. Vous détendez vos épaules, vous détendez votre nuque, vous relâchez les tensions des cervicales. Pour ceux qui ont des difficultés à poser le mental, vous pouvez, si déjà il doit penser quelque chose, eh bien laissez-le penser. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Vous allez voir, quand il aura répété 50 fois j'inspire, j'expire, votre mental va se calmer et vous allez vous rendre compte que ça respire en vous. La seule chose que vous ne puissiez arrêter, c'est votre respiration. Vous pouvez la ralentir, la poser à l'intérieur de vous, en étant conscient de cette respiration qui se pose. Prenez conscience de l'espace de votre tête. Sentez votre tête. Sentez la boîte crânienne. Sentez votre cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. Sentez votre coronal. Et laissez votre attention monter à quelques centimètres au-dessus de la tête. Ce peut être 5, 10, 15, 20, peut-être plus pour certains. Laissez votre attention monter jusqu'à ce qu'elle rencontre. On va faire une petite visualisation d'une grosse perle bleue. Et quand vous avez trouvé cet espace où se situe cette perle bleue au-dessus de la tête, vous allez imaginer que vous vous installez à l'intérieur, que ça va être un peu votre espace secret. Et vous allez vous asseoir en lotus dans votre visualisation à l'intérieur de cette perle bleue, de cette boule bleue au-dessus de votre tête. Et là, vous allez sentir combien vous vous sentez merveilleusement bien. On est au-dessus de tout, on est positionné calmement, paisiblement à l'intérieur de cette perle bleue, de cette boule de lumière bleue. Inspire, expire à l'intérieur. Puis doucement, progressivement, vous allez laisser descendre cette espèce de boule bleue de lumière avec votre petit corps à l'intérieur. Laissez-la redescendre vers le sommet de la tête. Rentrez à l'intérieur de votre crâne. Descendre à l'intérieur de votre gorge. Jusqu'à aller s'installer au creux de la poitrine. Et quand elle arrive au creux de la poitrine, cette boule de perles bleues disparaît. Comme une bulle de savon qui éclate, plouf, vous êtes installé, posé à l'intérieur de votre zone du cœur. Observez cet espace, observez la sensation à l'intérieur de cet espace du cœur. Laissez-vous respirer à l'intérieur de cet espace de la poitrine. Et sentez combien vous pouvez vous y installer en silence total, un peu comme si vous rentriez à la maison. Dans cet espace-là, je rentre à la maison, dans mon espace personnel, dans mon temple intérieur. Et là, je m'y sens en sécurité. Posé merveilleusement bien.
Observez simplement la sensation de ce retour à la maison. Peut-être certains d'entre vous peuvent ressentir une émotion, une amplitude différente, une couleur. Laissez faire. Accueillez simplement cet état à l'intérieur de votre poitrine. Mais sachez que dans cet espace, vous êtes chez vous, relié à votre profondeur, relié à cette partie de vous qui est reliée à l'infinie bonté de la source de toute éternité. Relié à l'intérieur de votre cœur, à l'amour de la création, à la bienveillance de ceux qui vous accompagnent et vous chérissent. À aucun moment vous n'êtes abandonné. À aucun moment vous n'êtes seul. Tout est déjà réalisé à l'intérieur de vous. Osez simplement vous rencontrer dans cet espace où tout est déjà acquis, où tout est déjà posé, où l'amour infini vous accompagne. Où vous vous sentez aimé, non pas par les autres, mais par vous-même, par cette partie de vous qui n'a jamais quitté le lien qu'elle a avec l'amour infini de la création. Vous êtes enfants chéris, des enfants de la source de toute vie. Vous êtes l'expression de cette source de vie ici et maintenant sur Terre. Vos guides vous accompagnent, vous chérissent, peuvent même vous conseiller. Laissez-leur seulement la place de vous répondre. Dans votre poitrine, dans votre espace intérieur, dans votre maison. C'est vous qui en avez la clé. Et sachez qu'à tout moment, vous y êtes accueillis et vous pouvez y retourner. Vous pouvez revenir par vous-même à cet état intérieur où tout est paisible, tout est posé. Confiance. Confiance en l'infinie bonté de la source. Confiance en l'humain que vous êtes et qui a toute possibilité. Honorez-vous comme nous vous honorons et vous chérissons. En toute paix et tout amour, soyez bénis. Inspire, expire. Doucement, progressivement, laissez le rythme de votre respiration s'amplifier.
Vous prenez conscience de la pièce dans laquelle vous êtes. Revenez à la conscience totale de votre corps physique. Vous ouvrez vos yeux. Et laissez-vous simplement ressentir l'état dans lequel vous êtes là maintenant, posé. Sachez qu'à tout moment, vous pouvez le retrouver. Je vous embrasse. Bonne soirée.